Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing. J'ai reçu enfin la 1001 livres box du mois de décembre. J'ai trop hâte de l'ouvrir. On commence tout de suite. Je vous explique juste rapidement le concept de cette box en particulier, étant donné que c'est la box de Noël, donc la box du mois de décembre, la box de Noël évidemment. Les créateurs de la box ont fait une présélection de 4 romans parmi lesquels on devait choisir celui qui nous tentait le plus, et du coup normalement je sais déjà le roman que cette box contient. Alors heureusement que sur les 4 il y en avait au moins un qui me faisait envie. Je suis quand même un petit peu déçue, j'aurais préféré avoir la surprise totale, mais il y aura au moins les goodies que je vais découvrir avec vous. C'est parti. Alors, on commence par le menu. Le thème de cette box, c'est mordu de lecture. Alors, c'est vachement original, d'habitude c'est juste un feuillet. Là, il se déplie de cette façon. Je ne vais pas trop vous montrer pour pas non plus me spoiler ce qu'il y a dedans. J'y reviendrai à la fin de la box. Donc on a un petit marque-page, voilà, un petit marque-page de la 1001 livres box. Voilà, tout simple. Les marque-pages, c'est toujours utile de toute façon. Je commence à les accumuler, du coup je me suis fait une petite tasse sur ma bibliothèque dans laquelle je range mes marque-pages au fur et à mesure qu'ils arrivent. C'est cool, c'est toujours utile, et puis pour les mordus de lecture, c'est indispensable, c'est sûr. Alors changement de décor, oui je vous en ai pas parlé, mais parce qu'en fait je tourne chez mes parents, je suis en vacances chez mes parents pour les fêtes, et du coup voilà, c'est provisoire. Hein. Dès la prochaine vidéo, normalement vous devriez retrouver le décor habituel. Ah non, j'aime pas ça, les trucs comme ça là. D'habitude ils mettent du polystyrène dans la boîte, là ils ont mis du carton, j'aime pas ça. Je préfère le polystyrène, c'est pas grave. Je ramasserai tout après. J'espère que je vais juste rien oublier. Alors là il y a un gros truc. Qu'est-ce que c'est que ça? LED battery light. C'est une lampe. Oh trop cool. Ah oui d'accord, en fait oui. Bon. J'ai vu la photo mais j'ai pas réalisé. En fait c'est une guirlande. Une guirlande de fleurs. Oh mon dieu, c'est trop beau. Je suis trop fan. Est-ce que je vais réussir à la sortir? Oh là là, comme elle est trop belle. Oh, c'est génial. Et ça, dans ma bibliothèque, ça va trop le faire. J'en ai déjà une avec des petits cubes. Mais alors là, celle-là avec les fleurs, waouh. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas à brancher. Elle fonctionne à pile. Donc pour la planète, c'est pas forcément bien, mais c'est plus pratique que celle que j'ai déjà moi, que tu es obligé de brancher sur un secteur en fait, et qui du coup ne laisse pas beaucoup de possibilités en ce qui concerne l'étendue de l'espace qu'elle prend. Là, au moins, comme c'est à pile, je vais pouvoir la mettre où je veux. Oh, c'est vraiment cool, je suis trop contente. Oh, génial. Merci. J'ai enlevé mes lunettes parce que j'avais un gros reflet bleu en fait dans les verres, et du coup, vous ne me voyez plus, du coup c'était pas possible. Mais du coup je vois plus rien, moi je suis complètement bigleuse, donc il est possible que vous me voyez loucher à certains moments. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça sent vachement bon. C'est un cœur, avec des paillettes. Alors, je pense, je suis pas sûre. Hein. Waouh, ça sent vraiment trop bon. Je pense que ça doit être une bombe de bain. Si c'est ça, ce serait trop cool, parce qu'en fait j'en ai jamais eu et j'ai toujours rêvé d'en avoir une. Alors ça, ce serait le pied. J'ai une baignoire à la maison, ça tombe bien. Waouh, elle sent vraiment bon. Bon bah, on verra tout à l'heure si c'était bien ça. Des chaussettes! Trop bien. Je vais les sortir. Donc ça, c'était prévu en fait. Quand Mylène Livre avait présenté la box, on savait qu'il y aurait des chaussettes dedans. Trop choupinou. Je vous les montre, hein, vous ne bougez pas. Donc, on a d'un côté un petit chat. Voilà. Et de l'autre, Fuck off, I'm reading. Ça veut dire, va te faire voir, je suis en train de lire. Trop cool. Elles sont trop magnifiques. En plus, elles sont grandes. Alors ça, c'est top. Blue Q Socks. Bon, made in China, mais bon... Nylon, coton, spandex.
De toute façon, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, évidemment. Voilà. Il va falloir que je passe le balai après. Hein. Oh là là là, c'est la catastrophe. Ah, là, il y a un truc. Waouh, Candy Cane! Trop cool! Oh, alors d'habitude, elles sont rouges et blanches. Et là, elle est jaune, jaune-orangée. Elle va aller dans le sapin jusqu'à ce soir. Parce que c'est ce soir, on est le 24, donc c'est ce soir à minuit qu'on va déballer les cadeaux. Trop cool! En fait, je sentais un truc dans la boîte sur le marque-page et tout ça, et je me demandais ce que c'était. En fait, je pense que c'est la bombe de bain qui s'est émiettée, en fait. Alors, ça, c'est trop cool. C'est un truc à mettre sur les poignées de porte. Donc, rejoins le côté obscur, on a des livres. Et de l'autre côté, lecture en cours, ne pas déranger. C'est trop cool, j'adore. Ensuite, j'en avais pioché deux. C'est un calendrier. Calendrier 2018. Présenté par Mille et un livre et Suzanne Drews. Oh waouh, il est trop beau. Bon, vous moquez pas de moi parce que je louche, hein, mais je suis vraiment bigleuse. Alors, pour voir, il faut que je louche, pour voir de près. Trop magnifique. Alors, je vais pas tous vous les montrer. Si j'arrive à l'ouvrir correctement. Voilà. Je me vois plus, alors je vois plus ce que je fais. Ah bah voilà, comme ça vous les avez tous. Il est trop magnifique, je suis trop fan. Ah mais j'avais... D'accord, voilà. Oui, je suis tellement bigleuse que j'avais pas vu que en fait, les filles, donc il y a que des filles. Oh, il y a Belle, trop bien. C'est des personnages de romans ou des personnages de fiction en général. Donc là, vous avez Hermione. Là, vous avez Belle. Enfin... Ah, c'est trop cool, il est trop, trop beau. Ah, il y a même Elisabeth Bennett, c'est génial. Oh, il est trop magnifique. Je sais pas où je vais le mettre. Peut-être au boulot, sur mon bureau, parce qu'à la maison, j'ai pas de bureau vraiment à moi. On verra. Mais en tout cas, je suis trop contente, il est super beau. Encore un marque-page. Oui! Alors, c'est un marque-page de la maison d'édition du roman que j'ai choisi. Donc, c'est Magic Mirror. Voilà, donc c'est juste trop magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Un autre marque-page qui rejoint ma collection. Normalement, il n'y a plus rien dans la boîte à part le bouquin. Donc le bouquin, je savais ce que c'était, je vous le déballe. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire. Voilà. Et Magic Mirror, c'est une maison d'édition que j'ai envie de découvrir depuis pas mal de temps. Donc je vous présente Ronce Blanche et Rose Rouge de Laetitia Arnoux aux éditions Magic Mirror. Donc c'est une réécriture... dans la collection Forgotten, pardon. C'est une réécriture du conte de Blanche-Neige, mais la version originale avec donc Blanche-Neige et sa... Je sais plus si c'est sa sœur ou sa cousine, parce qu'elles sont deux. Voilà, donc... tout simplement, je peux pas trop vous en dire plus. Il est juste trop magnifique, ce livre. Alors, ça fait des reflets, super. Voilà. Ouais, j'ai trop, trop, trop hâte de le découvrir. Si ça vous intéresse, je vous mettrai les autres titres qu'il était possible de choisir dans cette box. Je peux pas vous en dire plus sur ce roman parce que pour moi c'est ça, c'est simplement une réécriture peut-être un peu plus sombre, je pense, j'espère même que c'est un peu plus sombre. En tout cas, j'ai très très hâte de le découvrir et pour l'instant, il va rejoindre ma PAL Jar et je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu. Du coup, on retourne au menu. Alors... le contenu de la box. Donc les livres, comme ça je vais pouvoir vous les dire. Les livres, donc il y avait Rentless de Karen Lynch, qui est du paranormal. Il y avait Grisha de Leigh Bardugo, qui était de la fantasy. Il y avait Flora Banks de Emily Barr, qui est du contemporain. Et donc Ronce Blanche et Rose Rouge de Laetitia Arnoux, qui est du merveilleux. Voilà, et les goodies. Donc, une paire de chaussettes Va-t'en jolie. Ouais, enfin, on va te faire voir, était un peu plus violent, mais en gros, c'est ça.
Fabriquée par la boutique Blue Q, spécialisée dans la création de chaussettes rigolotes et colorées. Donc, les infos en barre d'infos. Un calendrier 2018 dont les illustrations sont signées Suzanne Drows et représentent des personnages passionnés de lecture. Arriveras-tu à tous les reconnaître? Une guirlande lumineuse pour décorer ta bibliothèque et éclairer tous tes précieux livres. Un accroche-porte pour pouvoir enfin profiter de tes lectures sans être dérangé. Une boule de bain, nuit de Noël. Fais-toi couler un bain, choisis un bon bouquin et hop, c'est parti pour un moment de détente. Donc j'avais raison, c'était effectivement une bombe de bain. Et rendez-vous début janvier sur le site pour découvrir le thème de la prochaine box, donc la première box de 2018. Alors, je suis trop triste parce qu'il n'y aura pas de box en janvier. Après, je peux tout à fait comprendre, c'est parfaitement légitime, c'est le temps qu'ils remettent en place le principe pour une nouvelle année, qu'ils trouvent des partenaires, etc. Donc la première box de 2018 sera la box de février. Ce qui signifie qu'en janvier, bah, il n'y en aura pas. Alors c'est quand même triste, quoi, mais bon, c'est pas grave, je trouverai de quoi patienter. Donc les pépites à redécouvrir. Donc là, il y a des sélections tout simplement d'ouvrages. Les meilleurs livres cocooning pour l'hiver. Les meilleurs romans young adult de 2017. Voilà, toute une sélection. Je vous mettrai, vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les titres en barre d'infos. Comme ça, vous avez une petite idée de ce qu'il y a. Là, il y en a vraiment beaucoup, donc je vais pas tous vous les dire. J'en ai lu un sur la totalité, je crois bien. Oui, c'est ça, j'en ai lu un. Honte à moi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si le roman que je vous ai présenté aujourd'hui et que contenait cette box 1001 livres du mois de décembre vous intéresse. Est-ce que vous l'avez déjà lu? Et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas également à me dire si vous pensez que les goodies correspondent au thème qui, je vous le rappelle, était mordu de lecture. Moi, je pense que c'est plutôt pas mal. Pensez à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !